Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV. Avec moi pour m'accompagner, vous êtes bien en direct de La Bruyère pour le premier Rugby Beach du Tarn. Le premier, avec Alexandre Calamotte, évidemment, comme toujours, salut à, tous. À mes côtés. Et t'es à côté de toi, l'organisateur de cette petite centrie, on va dire. L'amoureux de La Bruyère. C'est ça. Baptiste Delaporte, évidemment, joueur du Castres Olympique, qui est avec nous en direct. Alors Baptiste, comment t'es venu cette idée? Écoute, je crois qu'à La Bruyère, on est la seule ville du Tarn où il y a du sable. Et qui dit sable dit tu sais, farniente, un peu de fête, un peu tout ça. Qui dit sable peut dire beach rugby aussi. Donc écoute, on a fait un mélange des deux et voilà. Et tu as allié aussi avec du ventriglisse, hein, on a pu voir. C'est ça, oui. En fait, on a la chance à l'OL 15 d'avoir les créateurs de la France, Fédération Française de Ventriglisse. Ouais. Donc voilà, le tournoi est basé essentiellement sur du rugby et sur du ventriglisse. Et donc, on gagne des points dans les deux. Voilà, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tout simplement, en fait, on gagne des points. Un point est égal à un essai marqué et un point est égal à une victoire au ventriglisse en duel contre un autre joueur. Voilà. Bon, et là il est quand même 16h, ça commence à avancer un petit peu. Et ça commence à avancer, ouais. On a Los Pelos, c'est une équipe avec notre ami Ben Lapère et autre Bousquet, voilà, qui sont premiers au rugby pour l'instant. Après on a une équipe féminine de Gaillac qui se débrouille plutôt pas trop mal. Et là on assiste au match entre Las Figas et contre les Potos. Les Potos qui sont très bons au rugby également. Après, j'ai pas tous les résultats du ventriglisse, ouais. Mais je pense que ça va pimenter un peu le truc. Je sais que les filles sont très très fortes au ventriglisse. Mais on pourrait dire quand même que c'est pas un temps de gros. Hein. Non, c'est pas un temps pour le gros. Ça. Ça va, j'ai un peu maigri pendant les vacances. Mais ça va. Ça sera de bon augure pour la saison prochaine. C'est ça. Allez, on est en direct avec l'équipe du ventriglisse. Salut les gens. Alors ventriglisse, ouais. Vous allez gagner plus avec le ventriglisse ou plus avec le rugby beach? Ça va être compliqué, mais je pense que nous on est plus habilités au ventriglisse. Ouais. Bon, même si c'est à la portée quand même de pas mal de monde quand même le rugby beach. Ah ouais, après c'est à la portée de tout le monde, après même le ventriglisse c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'avoir un petit bourrelet et c'est nickel quoi. D'accord. Bon, en ce qui concerne les scores, vous avez un petit... Figure-toi que la FFV... On est pas mal du tout. On est pas mal, la FFV. On est pas mal. Après, il y a deux équipes qui se battent, mais ça va se décider au dernier moment. Quoi. Avec du bon. Au Cap d'Agde, alors, ça s'est passé comment, tiens? Ouais, ça s'est bien passé. Parce que le Cap d'Agde, ça a été annulé, en plus. Alors non, ça n'a pas été annulé, ah. C'est juste qu'il y a eu un arrêté préfectoral. Du coup, la journée, c'est interdit, mais ils ont décalé l'événement de 18h à minuit, un truc comme ça. D'accord. Et du coup, l'après-midi, avec nous, comme activité. Et du coup, on a fait un beau carton. Ça a bien marché, c'est sympa. Et là, le soir, après, le tournoi a repris avec le dimanche où l'arrêté préfectoral était terminé. Donc, du coup, ils ont pu faire toute la journée. Bon, ça commence à prendre un petit peu, FFV. Ouais, ça prend. On a du monde qui nous demande plein de trucs. Des maillots de bain, des t-shirts, des casquettes, des débardeurs qu'on fait. Ouais. Avec de jolies choses, hein, on peut le voir à l'antenne. Un peu stimulé quand même, ça fait toujours plaisir. Ça c'est pour les patrons. Ça c'est pour... Bon, vous avez de la pub à faire, remercier des gens et tout, parce que profitez-en, c'est gratos ça. On remercie Baptiste quand même de nous avoir invités à cet événement. Ouais, ça c'est vrai. Surtout et La Bruyère, le club de La Bruyère qui a pensé à nous. Bon, même si on fait partie du club, mais c'est cool qu'ils aient pensé à nous. Et, après non, avec tous les sponsors que vous voyez ici. Et d'ailleurs, non mais vas-y, c'est gratuit, profite-en. PRF Route, ça durera pas mais profite-en. La société Pradies, d'où le père à Guillaume Pradies, ouais. Qui est assez connu dans le milieu. Au milieu de la glisse surtout et le milieu de la glisse quand même. Et de la pilosité, d'accord. Après il y a AD Poids Lourd, c'est à Gossé. Le garage Gossé qui fait poids lourd, pièces détachées poids lourd et coucalière. Voilà. Et Pierre 17 alors? Alors ça c'est Pierre Lafarenc, c'est lui qui nous a fait les designs des maillots, des débardeurs. C'est notre infographiste qui nous fait tout. C'est bon à savoir ça pour nous là, ça peut être intéressant ça. Alors. Ça il peut vous aider. Après d'ailleurs on est toujours à la recherche de sponsors. Ah ouais, nous aussi, hein, ouais. On peut partager si vous voulez. Hein. On va faire un échange de bons procédés. Ah ouais. Parce que nous, on va faire un record du monde, les gars, n'oubliez pas. Ah bon, bah, il faut nous associer avec et on prendra les sponsors en même temps. Exactement, on peut toujours s'arranger. Bon, en tout cas, merci d'être passé au micro.
Hein? C'est quoi votre prochain programme là? Vite fait, bien là, fait là. Nous, on sera à la fête à la Conne. Alors là, en direct, là, il y a un match qui est en train de se dérouler. On a un arbitre spécial parce que c'est son jubilé. Tu vois, il finit cette année. Ouais. C'est Christian Imbrial, arbitre licencié au Castres Olympiques là. Et il finit la saison là, en beauté, je pense. Bon, j'espère qu'il va pas se blesser. Dans les formations aussi. Ouais. Mais aussi, je tiens à faire un petit coucou. Il y en a un qui a fait un petit malaise là. Donc on est plus que trois maintenant. Il a fait un peu chaud, donc tu vois. Ouais. Les organismes. Et donc, les organismes sont mis à rude épreuve, même pour les arbitres, qui doivent rester lucides pendant. Entre la main du côté d'Ivan Triglis, on en a une qui nous a fait une belle glissade. Et un essai. Magnifique. Du numéro 51. Hein. Ouais, pour pas. Mais que plus que les glaçons, on a déjà l'eau. Impeccable. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà, toi, sur ton ressenti là depuis le début Depuis le début de la journée, bah, écoute, ça se passe très bien. Il y a du monde qui commence à arriver, on voit du monde de là-haut sur le pont, il y a du monde sous le pont aussi à l'avant. La musique qui fait un peu aussi. DJ Bena qui est là. Le DJ qui est. Donc, DJ de la Bruyère d'ailleurs, soit dit en passant, me semble-t-il, ouais, mais je verrai ça avec. Tout de la Bruyère, le sable de la Bruyère, et tout qui est de la Bruyère. Il n'y a que les filles là-bas, tu vois, qui ne sont pas de la Bruyère, elles sont de Gaillac. Ouais, mais bon, on reste après, dans le Tarn. On reste dans le Tarn, bon, et on espère que ça va s'étendre après l'année prochaine. J'espère pour Baptiste là qui a mis beaucoup de. Il a mis du cœur et du temps. Franchement, c'est joli. C'est joli. Il a mis du cœur et du temps à préparer tout ça. Des joueurs de Pro D2, Top 14 qui sont venus. Ouais. Qui sont venus. Il y a du monde là. Je vois qu'il y a Cheloche. On a vu, ouais. Il y a la Dume, il y a Tichit, bien sûr, qui a fait un petit peu de. Tichit, je l'ai vu, ouais, tout à l'heure. Il a fait un petit peu de. Malheureusement, il a pas vu votre église. Tu vois, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a la rivière en face. Les mecs, ils se refont. Ils se refroidissent un peu. Tu te jammes là? Non, mais c'est... le cadre là, il a été bien choisi. C'est pas encore nudiste, mais. Non, et puis j'ai pas vu de filles en bikini, bien huilé là, personnellement. Comment savoir quand même. C'est qu'il a pas l'œil. Mais bon, il va falloir se taire parce que sinon, après, ma femme. Ouais, mais on s'en fout, c'est le rugby beach, mon gars. Sinon, il fallait pas venir, sinon. Si, il y en avait tout à l'heure, mais il est tellement fixé sur le match qu'il les a pas vus. Mais nous, on les a vus, c'est pas le problème. Qu'on a vu avec Baptiste tout à l'heure ouais. Au niveau des c'est au toucher en fait toucher il y a trois touchés en fait il y a trois touchés et au quatrième c'est rendu à l'équipe adverse. Bon, c'est des règles peu aménagées pour aujourd'hui parce que voilà c'est la première et tout donc Baptiste a essayé de faire des règles et ouais c'est comme on disait sur le temps voilà. Le temps de on était sur 10 minutes là, on a raccourci un peu on était sur 2x5 et on est retombé à 2x3 parce que là il fait quand vraiment, il fait très, vraiment chaud. Très très chaud. On essaye d'arroser le sable un peu quand on peut. Quand le 20 ouais, j'ai vu que t'as mis la main à la pâte, t'as pris le tuyau. Très chaud. Et donc du coup, ballon tombé, il faut. Tu vois là, il y a du spectacle, mais. Ça va aller en touche. Il a mis en touche. Voilà, la première la voilà. Est terminée. Et alors, à chaque fois, ça se termine au ventriglisse. Enfin, les équipes vont du côté du ventriglisse pour terminer le match. Donc ils ont allié les deux, c'est bien, c'est sympa, en plus il fait chaud, donc ça pouvait pas mieux tomber quoi. Des infos à donner sur les arbitres, ton association d'arbitres là, non, rien qui vient bientôt. Les arbitres recrutent, il faut recruter, c'est important aussi pour les clubs, comme on le disait, comme on l'a mis sur la page Facebook là. Ben voilà. Parce que sans arbitres dans les clubs, on peut pas aller jusqu'aux phases de finale, il y a des pénalités, des modus, ouais, des malus. Pénalités, ouais. Mais voilà, vous voyez, on parlait de bikini tout à l'heure. Hein. Et voilà, on a déjà interviewé mademoiselle là. Ton impression sur le rugby beach. Vu que t'as fait le rugby golf le week-end dernier, maintenant le rugby beach, ça va quoi, t'es occupé en ce moment quoi. Mais ouais, je suis plutôt sur Castres là actuellement. Ah au fait, justement parlons-en de Castres. Non, t'as signé, t'as pas signé, non, on en est où là? Non, j'ai dit une connerie. Oui. C'est pas officiel. Non, y'a rien qui est signé. Y'a rien qui est signé encore. Surtout que c'est dans la même poule me semble-t-il, hein, non? Oui. Oui, c'est la même. Donc quitter Gaillac pour la Castres, ça pourrait être sympa quand même, non? Alors on va voir l'exclu. Non, ah non, Cyril a essayé le week-end dernier, on n'y arrivera pas, de toute façon ça sert à rien. Bon alors, tes impressions sur le rugby beach? Allez. Ben, physiquement c'est très dur, je m'attendais pas que ce soit si dur. Ah, mais la chaleur surtout. Il fait très chaud, le sable fait mal aussi. Ouais. Ouais, ouais. Un peu trop dur. Non, pas c'est... dur, mais un peu trop de cailloux quand même. C'est pas le sable du Cap d'Agde. Là, il faut jouer avec les chaussures quoi. Bon, c'est pas les galets quand même. Hein. Non, c'est pas les galets, mais on a les baskets lourdes. Ah. Fait un bon bain de sable. T'es pas allé dans la rivière hein? Si. Là, je vais royaler d'ailleurs. Ah, mais voilà. On t'a intercepté au bon moment alors. Ouais. Hein. Bon, et t'as marqué des essais un petit peu ou? Et ouais, j'en ai marqué un petit. Hein. Après, ouais. C'est compliqué. Il n'y a que nous comme filles.
C'est ouais, mais du coup, vous avez un petit avantage aussi, parce que peut-être un peu plus agile. Un avantage, je sais pas, mais bon, c'est rigolo, on se frotte à plus fort et... Ouais. Voilà. Bon, les règles, c'est un peu... Complexe. C'est un peu à one again, quand même. Ouais, un peu à one again. Ah, bravo. Ouais. Tu vas dire du mal des arbitres, attention. Ça, c'est dit, ça. Ça, c'est dit. Il y a un peu de hors-jeu de partout et ça laisse pas le temps de jouer, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Hein. Bon, les matchs en 3 minutes, hein. Déjà 3 minutes, t'es rincé ou... Ouais, 3 minutes ça suffit. Ouais, ça suffit. Ouais, c'est bien de l'avoir repositionné à... Ouais, ouais, non, mais... L'interview, elle les réclame, non? Elle arrête. Non, elle les réclame pas, on l'a intercepté. Elle, mais elle si prend tu prends le micro, tu prends. Je sais jamais, si t'arrêtes ta carrière à la retraite, peut-être tu viendras commenter pour nous, un truc comme ça, non? Bah écoutez, on en reparlera. Hein. On manque de voix féminine. C'est rémunéré ou pas? Ah hein non. Non, pour ah, non. Voilà, ah. Voilà, le truc qu'il fallait pas voilà, dire. Voilà. Le truc qu'il fallait pas dire. Prévu, du coup. On donnera des t-shirts Radio Olympique ouais, pour ça, les distribuer. C'est pas mal ça. Voilà. Ben on essaye, voilà. Hein, on essaye. Voilà, on va rentrer pour aller voir le Castres Olympique, voilà, si on peut. Voilà, ça aussi, ouais, ça peut se faire. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Ça peut se négocier. Qui c'est qu'on voit? Qui c'est qu'on voit en direct là? Monsieur Canal Plus, monsieur interview des joueurs du Castres Olympique à la mi-temps. On a du beau monde quand même aujourd'hui. Ouais, on a du beau monde. On essaie. Ça sera la fiesta ce soir à la Bruyère. Ouais, beau dégât. À partir de 20h, hein, me 20 semble-t-il. Ouais, il me semble, ouais aussi. Ça y est, le match est fini. Et ça enchaîne. Des poignées de main, c'est ça, c'est le rugby. C'est l'esprit rugby. Alors, j'en profite pour vous montrer que quand même. C'est la fête au village à la Bruyère. Vous pouvez voir qu'il y a les bassines. Les gens peuvent s'y foutre s'ils ont trop chaud. C'est un truc de fou. Si ça tenait qu'à moi, j'irais aussi, mais bon. Ah, mais il faut que tu tiennes la caméra. Ça va pas être possible, malheureusement. Partenaire du Rugby Beach. Ah, bah on va les citer, tiens. Mondial Parc Auto. Mondial Parc Auto, ah bon ? Mondial Parc Auto, oui. Ah, il y a quelqu'un derrière toi. Ah, ça fait du bien. Je sais pas si vous le voyez, mais il y en a qui se baignent dans la rivière en face. Hein. Ça, c'est fait. Donc, concessionnaire Kia, concessionnaire Mitsubishi, concessionnaire Jeep et réparateur agréé Fiat et Alfa Romeo à Castres, 4 routes de Toulouse. Faut parler surtout de... On peut voir qu'ils ont fait venir les Jeeps, hein, d'ailleurs, hein, le Verlangler. Ouais, très beau, très très beau 4x4. Hein. Toi, t'as envie de recruter les partenaires ouais. chez Jeep. Il hein. y a des gars de chez Jeep qui nous entendent, hein, mais on cherche des partenaires la saison prochaine. Hein. Comme vous pouvez le voir, leurs deux derniers modèles, c'est pour moi, c'est cadeau. Et Verlangler. N'empêche, très très joli hein, quand même. Hein. Ah, le vert est pas mal. Ouais. Ouais, le vert me plaît vert énormément. Est pas mal pour partir à la plage, ça. Je me vois bien avec maman. Allez à la plage avec ça. Allez à la mer. Chérie, si tu regardes, c'est dit. Tiens, Baptiste, tu nous as cité tes partenaires pour les remercier. Tu nous as pas cité tes partenaires. On a cité Mondial Parc Auto. Mondial Parc Auto, qu'on vient de citer. Ouais, après, il y a DKP Patine qui offre le champagne. Il y a. Qui coule à flot. Qui coule à flot, exactement. Il y a. Il y a la Rugby Beach au Cap d'Agde. C'est Rugby Beach Party qui offre du coup aux gagnants un pack entier pour l'année prochaine. Ah super. Ouais, c'est cool. Et il y a le ministère. Il y a Bousquet et le Victoria qui sont venus faire la bouffe. Voilà, après, attends, je vais en oublier encore, c'est sûr. Ah oui, il y a LMS, location multiservice, qui nous a prêté tous les outils pour travailler le sable, parce que tu te rends compte, tu t'imaginais bien que le sable, il n'était pas comme ça. Il était comme ça, mais il était plein d'herbes et dégueulasse, ouais. Donc on a tout travaillé vous dessus. Vous l'avez retourné. Exactement. Et je pense avoir fait le tour. T'es hein. monté dans la pelle ou pas trop? Non, non, t'es malade ou quoi? J'ai du mal à conduire ma voiture. Donc voilà. Bon, mais c'est cool. On a vu du beau monde, non? On a vu Antoine, on a vu Julien, on a vu... Oui, ils sont passés vite fait, ouais, c'est gentil. Ça fait plaisir de voir les joueurs... Du Castres Olympique aussi proche des gens, oui. Ça fait plaisir. Il reste accessible, c'est des bons mecs. Et c'est ça qui fait plaisir aussi dans les clubs comme le Castres Olympique. Exactement. Bon, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui me parle en direct, mais je sais pas qui, sur Messenger, mais je peux pas regarder. Je crois que c'est Cyril et Ricardo, j'ai un doute. Notification, effectivement, sur la tablette, j'ai pu voir. Écoute, Cyril, je sais pas si tu regardes, apparemment oui. Une magnifique tablette en plus. Alors, je sais pas... Ouais, elle sert pas à grand chose aujourd'hui, et à grand chose surtout, quoi. À prendre le chaud et à prendre la poussière du sable. Ouais, ouais. Mais bon,
c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, vu le prix quand même, si, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Ricardo. Il dit quoi, Cyril Ricardo? Alors attends, que je regarde déjà, ça. Déjà qu'il s'est enfui, lui, du côté de Bayonne, là-bas, avec sa femme et enfant, celui-là. Plutôt que venir aider sa belle, alors, sa je belle sais, association. Alors je sais pas s'il faut que je le dise en direct. Ouais, vas-y, on s'en fout. Le débardeur, Thomas, c'est pour les mecs qui ont des bras. Putain, quel gros. J'en ai rien à foutre, je le dis en direct. Cyril Ricardo, t'es un gros connard. Tu fais le malin là parce que t'es à Bayonne, mais je te jure. Ouais, et c'est parce et qu'il comment il m'a vu en débardeur ce Parce qu'il y a des photos qui sont passées. Qui c'est qui publie des photos là? Ah, mais Alex Cassang. Hein, putain, quel mange-merde tu as aussi, quoi. Ah là là. Et là, on vient de voir un beau plongeon. En direct. D'ailleurs, qui dit plongeon. Il était magnifique ce plongeon, hein. Ça m'a même fait rire le gars qui est à côté de moi. De belles interviews. D'ailleurs, en parlant de débardeur, si Cyril veut nous faire des floqués Radio Olympique, non, non, lui demande plaisir. Lui demande pas ça parce qu'il va nous les faire payer. Il n'y a pas d'argent à Radio Olympique. Si vous êtes, si êtes amené après Ricardo, ben, vous pouvez vous lever matin, les gars. Ouais, ouais. Avec Ricardo, rien n'est gratos. Ah, ça y est, j'ai trouvé un slogan. Oh là là. Avec Ricardo, rien n'est gratos. Les phrases. Ça c'est dit, ça c'est fait. Excusez les gars, c'est la chaleur. Vengeance personnelle en direct. Allez, c'est parti. C'est pour toi, Cyril Ricardo, en plus, qui a re-signé à Cossade. Hein. Oui, oui. Je vous le dis parce que... Moi, j'aimerais bien savoir de combien il prend, le type. Ouais, ça, ouais, doit ouais, être, ouais. Ça doit pas être... Apparemment, il a commandé une nouvelle voiture, donc il a dû prendre cher, je pense. 12-13 000 à l'année. Il a pris en cher. Plus, en il plus a, de l'entreprise. Il a pris cher physiquement, mais il a pris cher aussi pour acheter la voiture. Moi, je vous le dis. Donc, on était en train de parler un petit peu des règles tout à l'heure. Hein. Donc à l'heure qu'il est, les règles, je crois qu'il n'y en a plus. Ouais, je crois que... Je crois que parti comme c'est parti. À 12h45, il y avait des règles. À 13h10, il n'y avait plus rien. Fout, quoi. Ah ben non, on avait eu la petite Jeanne de Gaillac qui nous disait que ouais, c'est vrai, les règles, elles étaient foireuses. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Mais en même temps, Gaillac, à part du pinard, et encore, il n'est pas bon. Déjà, Vinovali, il n'y aura pas de Vinovali sponsor Radio Olympique TV. C'est pour toi, c'est cadeau. Ça, c'est dit, ça, c'est dit, ça, c'est fait. Bon, ça n'est pas lequel... Ils sont magnifiques à la FFV quand même. Ouais, donc les règles, qu'est-ce que je peux dire de plus sur la règle? Quand le ballon est tombé... Les touchés, c'est 3 touchés. Ouais. Et au bout des 3 touchés, il y a une dernière phase de possession et puis après, voilà. Ça passe à... À l'équipe adverse, c'est là, on va avoir peut-être un bel essai à Plongeon. Eh non, il pleuge pas, crois qu'il s'est claqué. Il s'est claqué quand je vous dis que les organismes sont fatigués. Et s'il plonge, d'ailleurs, le toucher ne fonctionnera pas. Voilà. S'il plonge, même si un toucher est accordé, un plongeon. On va toper Olivier Guy, là. Ah, ouais, Olivier Guy là. Qui arrive. La star. La star. La star. Alors, ça donnait quoi? Voilà, on vient de perdre 3-2, là. 3-2? Sur deux fèves. Toi, voilà. Tu fais partie de quelle équipe, hein? De la buvette. La buvette. La buvette. Okay. Comme on est accoudé au comptoir depuis ce matin, là, c'est ça. Et on a décidé d'appeler l'équipe la buvette. T'as pris un petit peu de couleur aussi. C'est vrai. Ouais. Je pense qu'on a bien fini ce soir. Hein non. Non. Ça a travaillé le bronzage, ah, c'est d'accord. Bon. Ma femme elle aime. Bon, donc du coup, ce match, bon, vous l'avez perdu. Et juste avant, ça a bien marché. Bon, c'est. Non. Dans les derniers, en finale. Oui, si. Si pour toi marcher ça veut dire être dernier, on a super bien gazé, ouais. D'accord, ok. Ouais, ouais. En fait on est. Je crois qu'on est. Comment le Perpignan un peu du beach rugby de la Bruyère. D'accord, ouais. Ok. Bon. En tout cas, l'essentiel c'est de participer. L'essentiel c'est de prendre du plaisir. Parce que c'est ça surtout. Non mais c'est ça. Ouais. Après voilà, hier on était une quinzaine à préparer le terrain, les installations. Ouais. Et c'est ça qu'il faut retenir pour le club. Quoi. C'est un club. La Bruyère, c'est un club, il y a 2 ans, il n'y avait personne pour jouer. Ça s'est remonté il y a 2 ans. Cette année là on a gazé un petit peu. Avec des nouvelles têtes. Baptiste aussi qui a mis la main à la pâte. Hein. Non mais c'est ça. C'est ce qu'il faut retenir de cette journée. Ouais. C'est vraiment l'esprit du club. Faire plaisir, porter les couleurs encore et encore. C'est ça, c'est ça. Et pour la saison prochaine aussi? Voilà, la saison prochaine, on repart dans une poule de 3 et 4e série. Ouais. Bon, on espère bien figurer. L'objectif, il est déjà défini avec les coachs et Baptiste. Ouais. On aimerait essayer de viser une montée en 2e série cette année-là. Voilà. Ce qui serait pas mal. Oui. Du coup, vous avez qui dans la poule là? On a Cagnac, le Toré, ouais. On a Finan.
Après, il y a des clubs que je connais pas trop, moi. Ouais. Mais bon, écoute, après, c'est surtout à nous de jouer notre rugby et les autres s'adapteront. Hein. Bon, ben c'est cool. Bon, mais on viendra filmer ça en espérant. Venir filmer. Pardon, on ne connaît pas le premier match à domicile. Non, pas encore. Non, les oppositions ne sont pas sorties. Ouais. C'est pas encore sorti, mais bon, on vous tiendra au courant et j'espère que vous viendrez faire un petit direct. Mon premier match, quand même, il faut le noter. Parce que ça me touche un petit peu parce que c'était mon premier match à Radio Olympique. Hein. C'était La Bruyère contre Cagnac. Ouais, l'année dernière. Mon premier match au micro. Et j'avais pris énormément de plaisir d'ailleurs avec Julien. Julien qui aurait dû venir jouer en plus avec malheureusement, nous. Julien Escande, oui. Il aurait dû jouer avec nous l'année dernière. Au mois d'août, il s'était fait le tendon d'Achille. Donc c'est bon, Il a écarté complètement. Voilà, c'est dommage parce que. À notre grand bonheur, puisqu'il est venu commenter toute la saison. Mais je pense qu'il est meilleur commentateur que joueur. Hein, donc ça le complète dans sa blessure. Julien, si tu nous regardes, ça c'est fait. Je blague. Julien, soyez au bord de la piscine. Un très bon joueur. Il est à la banque là. En tout cas, merci d'être venu. Avec plaisir. Bonne saison à toi. Déjà bonnes vacances. Merci. Et en espérant que votre objectif soit atteint pour la saison prochaine. Voilà, on l'espère. Merci à vous, merci les gars. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on vous le dit, c'est un peu fiesta aujourd'hui, un peu du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause, c'est pour le rugby beach. En plus, on est sous le cagnard. C'est pour promouvoir cette première édition du Rugby Beach. Et comme le Rugby Beach c'est la fête, on se permet de dire ce qu'on veut en direct à l'antenne. Voilà, en espérant que la saison prochaine. Ah, belle interception pour un essai magnifique. Et c'est sympa. Comme quoi, Radio Olympique, t'auras tout fait cette année. Hein. Ouais, il y a juste le subaquatique encore. Le subaquatique, ça va pas être possible. Sinon, il va falloir foutre Déjà pour filmer Cyril Ricardo en profondeur, ça va être compliqué déjà. Vu qu'il avait vidé la piscine rien qu'en sautant, donc ça c'est dit, ça c'est fait, merci, c'est cadeau. Dans les abonnés de Radio Olympique, on a quand même pas mal de connaisseurs. Aussi, hein, voilà, donc, exactement, t'as raison de le dire. C'est aussi pour vous proposer encore et toujours plus d'interactions. Alors là, on voit en direct Alex Casson qui sait arroser quand c'est des filles, mais quand c'est des mecs, là, il n'y a personne. Bravo, belle mentalité, Casson, là. Belle mentalité, là. En parlant de quel homme, regardez-moi ce beau fessier du ventre glisse. Ce beau fessier, du ventre glisse. Là, ça déconne pas, là, quand même. Là, il y a du mal. Ce qu'on appelle communément le moule bite. Hein. C'est ça, c'est le mot. Le mot. Un joli moule bite en direct. Sur Radio Olympique. Qui plus est de couleur suffisamment voyante. Il n'y a que chez nous qu'on peut voir ça quand même. Hein. Un énorme moule bite. Hein. Merci la Fédération française de ventre glisse pour cette image. Merci, quand même. Merci parce que le ventre glisse, c'est ça aussi. C'est pas un highlight demain, mais je crois que je vais couper cette séquence et la diffuser demain. Rien que pour ça, je suis sûr que ça va faire des clics vu le moule bite qu'on a vu en direct quand même. Et Julien qui est en mode super fan, hein, parce qu'on le voit en mode super fan. Ah mais Julien, putain, Julien mais, des Jules. Mais il travaille pas lui, gars. Putain, mais je croyais qu'il travaillait aujourd'hui. Il était à la mer, mais il y a la 4G. Il est à la mer. Ah, il y a la 4G à la mer. Vous voyez, c'est ça le problème des gens qui sont responsables d'une agence bancaire. Ah, c'est ça. On croit qu'ils travaillent, mais en fait, c'est faux. Non, les gars, ils sont au bord de la mer. Non, je pense que quand même, là, il est au travail. Plutôt que d'aider Radio Olympique. Non, mais. Il finit à 18h, s'il finit à 18h, il peut venir. Non, mais les banques, ça ferme à 17h, tu plaisantes. Là, les après-midi, je crois qu'elles sont fermées, les banques, les après-midi en plus. Quel feignant, Suac. Il n'y a que au Rugby Beach que vous pouvez voir ça. Des filles et des gars dans une petite piscine pour se rafraîchir, la clope au bec. Belle image pour la cigarette. Ça, c'est fait. Et nous aussi, on aimerait bien aller se tremper. Il commence à faire chaud quand même. Hein. Mais bon, on tient le coup. Allez, je suis allé te chercher la crème de la crème des arbitres. Christian, salut à toi. La crème, elle a fondu un petit peu aujourd'hui, vu le temps. Mais. T'as été efficace quand même. Hein. On a regardé, t'as été efficace. Ouais, j'ai essayé d'être à la hauteur, surtout parce que lever les genoux dans le sable, c'est. C'est chaud. C'est plus dommage. Voilà, ceci dit, c'est quelque chose de très convivial. Et moi, tout au long de ma carrière de joueur, d'entraîneur ou d'arbitre et domaine de représentant fédéral, j'ai, toujours,
j'ai toujours mis en avant la convivialité. Le rugby, je pense qu'il a ses valeurs et il faut les maintenir. Et je félicite Baptiste pour l'organisation. On a une super après-midi. Je pense qu'on va avoir une grosse soirée. Et je félicite tous les participants de s'être mouillés sur le terrain. Et toi aussi. Et mouillés à l'autour. Et moi aussi. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors Kevin, deux essais aujourd'hui. Ouais, incroyable, incroyable. Incroyable, hein. Ça fait un an que je joue au rugby, c'est mes premiers essais. Waouh. C'est fou. C'est fou. J'ai jamais vécu ça encore. Alors là, tu es un pied phénoménal. Ah ouais, là. J'ai plus les mots. J'ai pas les mots. Ouais, t'as pas les mots. Incroyable. Alors, tu joues où? Tu joues à la Bruyère. À l'OL 15, bien sûr. À l'OL 15. Ouais. Bon, quel poste en général? Numéro 9. Numéro 9. Ouais. Alors, le jeu de ballon, ça te connaît? Ouais, ça me connaît, moi. Ouais. Ouais. Ça a donné quoi aujourd'hui? Voilà. Un peu dur? Ouais, c'est dur physiquement, mais après, ouais. c'est tout bénéf pour la ville, là. C'est ouais. Incroyable. De... Baptiste, ouais. Baptiste, il a mis du cœur, là. Ouais, il est incroyable. Tout ce qui nous... On ne croit jamais l'Uran de ce qu'il nous fait, c'est fou. C'est magnifique. C'est magnifique, ouais. La chance que vous avez. Ah ouais, ouais. C'est vrai. Enfin, moi, je le connais depuis tout petit, donc voilà. Il est exceptionnel. Mais c'est l'amour de la ville, hein, surtout. Ah, oui. Hein. L'amour de la ville. Ouais. Et de ce club, parce que... Il s'investit à fond, mais on le voit, après. C'est très bien. On essaye de lui rendre comme on peut. Et par les résultats, peut-être la saison prochaine. Ouais, la saison prochaine, l'objectif c'est monter à la seconde série. Ouais, on a pu voir un de tes collègues qui est passé au micro tout à l'heure. Ouais, ouais. Donc, on le sait tous, ouais. La montée en deuxième série, ça serait beau. Ouais, ça serait incroyable. Deux montées en deux ans, ouais. Incroyable. Ouais. Votre troisième série là? Ouais, troisième série, mais ils regroupent quatrième et troisième encore. Ouais. Ouais. Mais bon, pour nous, c'est comme une montée. Hein. C'est comme une montée. Ouais. Toujours Cagnac. Ouais, toujours. Cagnac. Toujours. On rencontre souvent les mêmes. Ah mais c'est pas grave. C'est un plaisir. Quand ça sera la deuxième série, ça sera d'autres clubs. Voilà, c'est ça. Bon, c'est bien. Ouais. Bon, t'as pris du plaisir aujourd'hui? Ouais, c'est incroyable. Ouais. Qui aurait imaginé une plage à la Bruyère? Moi, ouais. Je suis venu ici et... C'est beau, hein. Parce qu'il y a un peu de monde, il fait chaud. Ouais, c'est venu, hein. Il y a du monde qui est venu, hein. C'est venu, hein. Il y a pas mal de beau monde qui... Ouais. Même on a pu voir des joueurs du Castres Olympique ouais. Venir. Ouais, ils sont là-bas, ouais. Anthony Gelon. On a vu Dumora aussi tout à l'heure. Antoine Tichine. Ouais. Bon, mais c'est très bien. Merci d'être venu au micro. Merci à vous. Eh, bonne saison à toi. Merci et bonne continuation à l'Olympique. Merci, c'est sympa. Au revoir. Sur ouais. Des rythmes un petit peu. Funky, on va dire. Hein. Quand tu sais pas, tu demandes au vieux. Hein. Le vieux, il sait. Donc, je le ferai en début de semaine. Pas demain, parce que demain, je fais un go fast au bas de la case. Pour ah ouais, go fast, c'est vrai, ouais. Mon go fast mensuel. Avec ton RS6, voilà, avec mon meuf, mon Scénic RSI, injection sport. Je ferai le plein de bonbons, évidemment. Ça c'est bien. Pas d'autre chose. Ça c'est bien. Pas d'autre chose. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bon le sucre, mais ouais, bon. C'est pas bon le sucre, mais ma fille sera contente. Voilà. C'est vrai que c'est pas très cher là-bas. Moi, j'aime bien les lacets, tu sais, les trucs voilà. Un peu longs là. Voilà. Le plein de bonbons, le plein de lessive, le plein de beurre, un peu de chicha, un peu de cigarette et en avant. Non, on déconne évidemment. Un petit peu de jaune quand même, surtout. Non, même pas. Même pas? Non, non. Le jaune, c'est la boisson des Marseillais, j'aime pas trop personnellement. Mais on a du jaune quand même sur le terrain avec l'eau. Apparemment, tu préférerais la Suze. Ah. Qui c'est qui a dit ça encore? Qui c'est qui dit ça? Que je préfère la Suze, moi? Damien Nadèche. Lui, je l'aime bien, lui. Eh ben, je connais pas, il est drôle. Mais lui, non. Je l'aime bien. C'est pas la Suze que je préfère. Alors maintenant qu'on a cité la marque, on est obligé de donner deux autres marques, évidemment. Ah oui, ben, on l'a dit tout à l'heure, le Ricard. Voilà, le Ricard, et, la Suze. Et le Label 5. Voilà. Non, ça c'est de la merde. Ah, c'est ça, de la merde. Le Clan Campbell. Voilà. Moi, personnellement, allez. Non, je vais le dire, c'est le Ballantines Brésil. Ah, voilà. Ça on va mélanger avec un Coca maison que je fabrique avec la machine à gazifier. C'est énorme. À consommer avec modération, bien sûr. Bien sûr. Je le bois en granité, personnellement. J'en rajoute de l'eau. En granité. Vu les températures actuelles, moi, je suis le roi du granité, moi. Moi, je mets tout en granité, le jambon, le whisky, tout. Et tout ça mélangé en même temps. Ah ouais. Et à la paille, surtout. Tout, à la tout paille. Se mélange à la paille. Entre nous, de toute façon. À la paille, surtout. Demandez à ma famille, ils adorent les granités que je fais. Bon, moi, je les préfère alcoolisés, personnellement, mais bon.
Chacun son truc, hein. J'espère qu'on n'a pas le CSA ou quelque chose qui est du même genre qui nous écoute, hein, parce que on risque de prendre cher, là. C'est pas grave. On va prendre cher, là. Déjà qu'on n'a pas d'argent à Radio Olympique TV, mais là, on va se faire saigner, là. Ben, on cite les marques, on en cite trois à chaque fois, c'est bon, toi. Vrai, c'est vrai. Bon, après, vous voyez des marques à l'image, hein, normal, on peut pas flotter. Hein. On peut pas flotter, ça. Non, on peut pas flotter. Comme la marque Granini, une très bonne boisson. Granini, Perrier, Coca-Cola, une très bonne boisson. Fraîche, passe le fun autour de toi. Voilà. Et le Coca que tu mets dans le Valentine. Voilà. Hein? Pour faire le whisky Coca. Qu'est-ce qu'on est obligé de raconter comme conneries pour tenir les... En attendant la finale quand même. C'est un truc de dingue. Je sens qu'on nous en parlera de celle-là, de ce direct aujourd'hui. Équipe de la buvette contre l'équipe féminine. Équipe féminine de Gaillac. Ah, Jean-Baptiste va nous dire plus en direct. Dis-moi. Mais pour savoir déjà, donc là c'est le dernier match des phases de poule. C'est ça. On a pu t'entendre. Hein. C'est ça, donc là c'est le dernier match des phases de poule. Donc les filles, figas. Contre la buvette. La buvette. Voilà, qui est composée essentiellement des filles de la buvette. Filles de la buvette qui ont travaillé d'arrache-pied toute l'après-midi. Exactement. Et, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient soif. Exactement. Il faisait très soif. Donc voilà, là c'est le dernier match de poule. Je peux pas te dire exactement qui sont les finalistes, même si j'ai une idée. Ouais. Je vais aller checker maintenant. Que tu dépouilles. Là je calcule tout maintenant. Donc je vous laisse. La calculatrice, et c'est parti. C'est parti. Donc, ah peut-être hein. Il est parti, il va peut-être regarder l'essai. Ah oui, splash. Le H-splash. Ouais, c'est plutôt un splouf qu'un splash. Ouais. Et il est où le Julien, notre Julien Notre Julien, notre juge olympique, hein? il travaillait jusqu'à 16h, tu comprends? Oui, et pourquoi il est pas là du coup? Parce que 16h... 16h... C'est passé 16h. Ah oui hein. Ah, il s'est échappé. C'est échappé pour jouer, je vois. Il aurait pu au moins renforcer les équipes de la Bruyère. Il y a du monde là qui regarde un petit peu. Ouais, il y a un petit peu de monde. Oui, ben, il fait chaud. Ça va être l'heure de l'apéro là. Bon, il n'y a pas d'heure pour l'apéro. Du coup, donc... Allez, Léa Barbou. On aura fait 2 heures de direct, mon cher Thomas. Ouais, comme le sang à Good Day. Ouais, comme le sang à Good Day. On avait coupé entre temps, mais bon. On avait coupé. Ah oui, c'est vrai. Ah, on oui, avait coupé putain, entre, vrai, entre les raison, deux. Tu as raison. Donc on va appeler le Guinness Book. Hein. On va les appeler. On va dire on a fait deux heures de direct sur Radio Olympique TV. 2 heures de direct. Deux touchés. Attention, ça parle avec l'arbitrage. Hein. En avant là, ouais. En avant, monsieur, oui, en avant. En avant, hein. Deux heures de côté. Deux heures de direct sans dire une connerie, sans boire une goutte d'alcool. Tout à fait, tout à fait. Et je peux vous dire que c'est compliqué quand même avec cette chaleur. Hein. Heureusement qu'on avait le grand parasol quand même. Merci Thomas. Ah oui, c'est Jiffy. Des idées de Julie. Voilà. Maintenant, vous citez deux autres marques il en même temps. Pas non plus. La foire fouille. La foire fouille. Et Action. Voilà, ça c'est fait. Action, futur sponsor. Ah, on vous avait prévenu, hein, ça partait en couille aujourd'hui, on vous l'a dit. Hein. Bon, comme vous pouvez voir en direct, on filme comme on peut parce que. On a des demoiselles devant la caméra. Ouais, mais là, la caméra, c'est pas grave si elle reste là. C'est pas on grave. Peut rien faire. 5, 6, 13 et 9. Ouais, qui est bonne. Vous pouvez les marquer. Voilà. Le quintet du week-end. Dans l'ordre. Sur Radio Olympique TV. Dans le numéro 5. Le 5, le 13, le 6 et le 9. Et le numéro complémentaire. Le 4 qu'on voit à l'antenne en ce moment. Voilà. Demain, vous jouez ça au quintet. Si vous gagnez, on partage. Ça part vraiment en sucette direct, hein, moi je vous le dis. Mais c'est pas grave, on est là pour donc, ça. Du coup, il faut citer plusieurs marques de sucette. Choupa Choups. Qu'est-ce qu'on a après? Merde, il y en a qu'une en fait. Les sucettes Choupa Choups, ouais. Haribo, c'est bon la vie pour les grands. Et Léonidas pour les. Ouh, voilà. Bel essai là.
lycée de Léa Barbou, là, comme elle est partout, cette jeune fille. Ah, apparemment, il y a un mol. Ah, il y a un mol qui s'est formé. Ce match est en train de partir en sucette. En sucette. On va les sortir tous, là. C'est le premier mol qu'on voit de l'après-midi. Ouais. Ah. Sachant que c'est totalement interdit. Apparemment, le match finirait au rouge et noir. Ah, alors maintenant, il faut hésiter plusieurs. Le S-Club, il y a quoi après maintenant c'est... Ah ben, soit... Monsieur Cassan est connaisseur. Ah oui, 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 oui. Mais moi, je connais pas ses noms. Oui, oui, oui. Chez les arbitres, par contre, on connaît les endroits, apparemment. On fait les stages. De il a été bien formé. Hein. Ah, il y en a une qui a triché, à mon avis, là. Voilà. Et bel essai. Oh, oh, bravo. Oh, le splash. Oh, le bon splash en direct. Et je crois qu'il en avait fait une comme ça aussi, Ashton, hein, me semble. Ah, oui, d'avoir oui. perdre le ballon. Donc toi, joueur expérimenté, ce style de match, ça demande énormément, énormément. Hein. Exactement. C'est un travail important au niveau des appuis, au niveau de la course, tu es lent, quoi. Ouais. T'es lent. Donc, c'est des choses que vous travaillez sûrement à l'entraînement. Oui. Et après, il faut que ça soit parfait techniquement, quoi. Parce que t'as pas de vitesse, t'as rien, les décalages ils se font. Ouais. Mais si c'est pas parfait techniquement, tu peux rien faire. Sur les crochets, sur les appuis. Sur les passes. Ouais. Alors que voilà. Toi, on te connaît un peu plus sur les impacts quand même. Hein. C'est ça. Ouais, je peux faire, un peu des deux. Mais... Un peu moins les passes, quand même. C'est pas mon grand point fort. Non pas que je sais pas faire de passe, hein, mais c'est que je me montre pas beaucoup. Tu te faire engueuler quelques fois, non? Ouais, ça va. Non, ça va. Tu donnes le ballon au bon moment. Tu percutes et tu donnes le ballon. Je suis pas mauvais en passe, hein. Je finirai numéro 10 à la Bruyère. Hein. Tu verras. C'est bien. Je serai pas beau à voir, mais ça sera efficace. Tu lâches des informations, fais attention quand même. Hein, parce que ça sera récupéré. Hein. T'inquiète. Ah, peut-être un essai. Ouais, peut-être. Décalage est fait en tout cas. Ah oui, essai. Ouais, essai validé. Premier essai pour les Pelos. Attention, on est peut-être à 2 minutes de jeu, non? Peut-être à... 2-3 minutes. Ouais. 2-3 minutes. Alors qu'on voit un striker à moitié à poil du ventre gris passer. Un striker qui est passé. Mais la sécurité, là, ça désirait quand même. Hein. Oui. Ouais, Baptiste, là, tu... Après, quand c'est le striker qui... Quand c'est la striker qui fait la sécurité, c'est compliqué quand même. Et les vainqueurs. Premier la Bruyère Rugby Beach, les Pelos. Les Pelos. Avec. Martin, tu vas vous remettre le Jéroboam de Champagne. Allez, Martin, on applaudit Martin, s'il vous plaît. Les mecs, venez tous. Bon, et merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui sont restés tout au long de cette longue prise d'antenne. Donc, on vous souhaite de bonnes vacances et à la saison prochaine. Merci à tous.